dans cette nouvelle vidéo, on va se retrouver aujourd'hui pour la ferme Aucune Limite. Pour le coup, la dernière fois, j'avais souscrit un contrat. Donc, on avait tout semé, tout papa, tout le tatin-toin. Donc, du coup, on va prendre un jeune dire. On va prendre un gendéré. Hop! Et puis, on va aller s'occuper de récolter le champ 13. Pardon. Hop. Tac. On va essayer de sortir sans l'accrocher. Nickel. Hop, allez, on est parti. Donc, du coup, donc pour le coup, vous aurez cette vidéo le mercredi. Parce que pour le coup, là, je tourne les vidéos comme ça fait deux ou trois vidéos, je vous le dis. Je tourne, j'essaie de tourner les épisodes le même jour. Donc, c'est pour ça que vous me voyez soit avec le même t-shirt. Ou alors, vous voyez quelques minutes de décalage entre eux. Les différents épisodes, les différents jours, mais bon, ça, je pense que vous y faites pas attention vu qu'il n'y a qu'une vidéo par jour qui sort. Mais bon, comme ça, au moins, vous le savez de toute manière. Pour le coup, il y aura sûrement d'autres choses qui vont apparaître sur la chaîne vu que, du coup, vu que je tourne les vidéos, j'essaie de tourner un maximum de vidéos les jours où je suis de tournage. Comme ça, au moins, ça me permet d'être tranquille déjà pour quand est-ce que les vidéos elles sortent. Vu qu'en plus, elles sortent vachement tôt le matin, donc elles sortent à 6h. Donc, pour beaucoup d'entre vous qui se lèvent à ces heures-là, moi, de ce côté-là, moi, je peux faire autre chose. Donc, soit je peux tourner de nouvelles vidéos donc pour faire de nouvelles séries, ou alors je peux préparer des lives ou même vous faire des lives comme ça l'après-midi. Ça peut arriver. Je peux vous faire des petits lives comme ça l'après-midi, des petits lives pépères. Sur Wars of Tank ou même sur du farming ou même à des moments où je veux faire du mapping si j'ai besoin de faire un peu de mapping pour le coup ça sera comme ça ou si je veux avancer une série en particulier donc le champ 13 normalement ça va être celui-là ouais c'est celui-là alors pour le coup la barre de coupe on va la larguer par là hop on va déjà déplier la trémie hop là. Donc du coup je vais essayer de faire le maximum de vidéos donc pour vous on sera mercredi mais là pour moi actuellement qu'on est que lundi je vais essayer de faire le maximum en début de semaine je vais essayer de faire les vidéos pour la semaine de façon à être tranquille comme ça dans le pire des cas ça me fera deux journées de tournage dans la semaine donc comme ça si je fais pour la semaine les vidéos le lundi donc généralement je pense pas pouvoir faire le tout. Le lundi, d'habitude, j'arrive à faire la dernière fois, j'ai réussi à faire que 3 vidéos dans la journée. C'est pas énorme. Donc, je vais essayer de faire plus aujourd'hui, voir si je peux. Mais bon, après, c'est vrai que c'est quand même fatigant parce qu'il faut compter quand je fais des vidéos. Moi, il faut que je compte au minimum 1h45, voire 2h, hein, suivant les montages et suivant si j'ai un bug ou quoi qui peut arriver. Ça peut mettre Je peux mettre 1h45, ça tout dépend du boulot qu'il y a à faire. Et puis aussi, il n'y a pas que le montage de la vidéo, il y a aussi la miniature à monter, même si ça me prend que 5 minutes. C'est quand même 5 minutes qui est compté. Donc pour le coup, voilà, donc j'essaye de faire ça au fur et à mesure. Parce que de la façon que je procède, c'est je tourne ma vidéo, je la monte. Je fais ma miniature quand elle est en production. Et une fois que la vidéo est en production, a fini la production, je la mets en uploadage sur YouTube. Et après ça, je la programme évidemment, je mets les tags, etc. Donc déjà rien que pour la mettre en ligne, la préparer pour la mise en ligne, déjà ça me prend déjà facilement 10 minutes. Attends, excusez-moi, j'ai le nez qui me chatouille. Aïe, c'est comme c'est pas. Faut pas faire ça en vidéo, ça fait pas propre, ça fait pas pro, gna gna. Moi, je pars du principe que quand je vous tourne des vidéos, les amis, quand je suis en vidéo avec vous, je vous coche rien.
Donc en off, en fait, il n'y a que de la préparation qui se fait. Donc je joue même pas. Il y a juste avant de commencer la vidéo, je vais juste regarder ce qui peut y avoir à faire, qu'est-ce qui peut être intéressant, qu'est-ce qui peut changer de la dernière fois. Bon, pas beaucoup. La ferme en continu, je crois que la semaine dernière, vous l'avez pas eu, malheureusement. Parce que j'ai pas pu la tourner. Donc pour le coup, bah, je me rattrape aujourd'hui. Mais bon, je vais essayer quand même de varier les choses. Je vais essayer de varier les choses, surtout que là, bah, je suis seul en vidéo, en série. Pour l'instant, je suis le seul. Je suis tout seul, donc bah, pour le coup, c'est de ma part pour tourner, c'est plus facile. Parce que être à plusieurs, c'est beaucoup plus facile. Hein, parce que si on essaie de tourner en groupe, bah, déjà, faut que tout le monde puisse être dispo. Et ça, c'est pas forcément. La disponibilité de chacun n'est pas forcément bonne. Donc du coup, bah, pour le coup, Ingrid, elle travaille maintenant. Donc elle commence à 11h45, elle finit pas avant 20h. Donc voilà. Elle va pas pouvoir participer aux vidéos avec moi. À moins que il y a un jour, elle sera disponible. Par exemple, pour les vidéos IRL, je vais essayer de les faire quand elle est là. Parce que c'est beaucoup plus facile de tourner à deux. C'est plus facile de tourner à deux caméras. Parce qu'on peut avoir différents angles. C'est beaucoup plus facile. Et en plus de ça, bah, je peux par exemple, comme j'ai fait pour la moisson la dernière fois, parce que je suis avec la jeune dire, pour la vidéo de moisson que je vous avais fait la dernière fois, donc pour la moisson d'orge, Ingrid, j'avais demandé à Ingrid de monter dans la moissonneuse et tourner quelques images, mais malheureusement, comme un con, j'ai oublié de mettre dans la vidéo. Mais bon, c'est pas grave, hein, je me rattraperai la prochaine fois, c'est une erreur de débutant. Et de quoi? L'appel n'est pas accepté. Ah merde. Excusez-moi. J'ai eu un coup de barre là d'un coup. Donc du coup voilà, c'est pour ça que je vais essayer de faire au moins les vidéos IRL avec elle, comme ça au moins déjà vous la verrez aussi un petit peu en vidéo. Donc pour le coup, comme je vous en ai parlé sur l'épisode dernier, dans l'épisode d'hier, je vais essayer de vous faire une vidéo débroussaillage. Donc c'est-à-dire que c'est un épisode, enfin ça va être un épisode, ça va être une vidéo où vous allez me voir tout simplement débroussailler, donc faire l'entretien dans les champs de nos chevaux, parce que pour beaucoup d'entre vous, vous savez qu'on a des chevaux. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube de Ingrid. Donc c'est Mademoiselle Ingrid Saudré, donc Mademoiselle M2LE Ingrid Saudré. Vous trouverez très facilement sa chaîne. Pour le coup, j'apparais aussi sur sa chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, les amis, si son contenu vous plaît. Elle en sera aussi très contente. Hein. Pour le coup, du coup, on va aller chercher un tracteur. Donc, du coup, voilà, c'est la petite parenthèse. Donc, après ceci, je pense je vais ramener le tracteur. Donc, en ramenant le tracteur, je pense on va passer tranquillement. Ah, le tracteur, j'en ai fait quoi? On va passer tranquillement à l'avance rapide. Parce que comme vous êtes beaucoup à me demander, vous avez arrêté beaucoup à me demander de faire d'une avance rapide parce que voilà, vous aimez ça. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire dès maintenant. Donc je vous dis à tout à l'heure. Et bonne avance rapide à tous. Et ça grimpe! Take a chance and let you in. Just take my hand and take me home tonight. We defeat all impossibilities. Yeah, you and me. We'll take our hearts and run free into the wild.
Donc du coup les amis, on va faire une petite pause sur le ralenti, parce qu'on va parler un petit peu. Excusez-moi, je viens rototo. On va faire une petite pause, le temps d'amener la benne quand même, comme ça vous fera une petite coupure entre les avances rapides. Donc pour le coup, donc là je suis déjà à 18 minutes de vidéo, donc avec le ralenti ça fera un quart d'heure. Donc du coup la dernière fois je me rappelle que l'épisode normalement se fait normalement 30 minutes, donc il nous reste à grosso merdo 11 minutes pour faire oulala, pardon. Et donc je pense qu'on finira pas le champ pour cet épisode. À mon avis, je pense que ça va être radicalement mort. Est-ce que j'emmène au bon endroit au moins GG? Est-ce que t'es pas con? Déjà c'est un sens interdit. Donc du coup il faut faire le tour. Oui, première vue, je suis au bon endroit, c'est bon, je peux virer la map. Hein. Donc du coup, oui, comme je disais tout à l'heure, vous allez avoir deux nouvelles séries qui vont arriver au fur et à mesure sur la chaîne. Notamment, je pense, je suis en train de penser, en ce moment même, là où vous regardez cette vidéo-là, aussi bien la vidéo est déjà enregistrée et déjà tournée. Et pour le coup, vous la verrez en mode surprise jeudi matin. Mais bon, ça, je sais pas encore. Il faut que j'y réfléchisse. Il faut que j'y réfléchisse un peu mieux. Il faut que je regarde. Parce que l'idée que j'ai en tête, hein, faut que je trouve une map un peu inhabituelle qu'on voit pas encore trop souvent. Parce que la Belgique profonde, on le voit assez souvent. La map, alors pour le coup, Midland. On voit pas trop souvent, personnellement, je l'ai pas trop vu encore sur FS19. Enfin, du moins chez les youtubeurs, je l'ai pas encore trop vu. Mais la nouvelle map, je me tâte en fait, je sais pas. Enfin, la nouvelle map, la nouvelle série, je sais pas trop sur quelle map la faire parce que oui, ça sera du FS19, encore une fois. Comme vous le savez, FS19, c'est le jeu principal de la chaîne. Donc du coup voilà, il y a aussi d'autres jeux, mais bon, vu que voilà, vous le savez, j'ai pas beaucoup de pognon, voilà, j'ai pas de fric du tout d'ailleurs, hein, je suis à sec, hein, donc voilà, c'est pour ça que le vendredi maintenant vous avez une série FS19 et pas un nouveau jeu comme j'ai commencé à le faire malheureusement, parce que j'ai pas trouvé de jeu gratuit intéressant à vous présenter. Donc pour le coup, en attendant que les finances remontent un petit peu, du coup bah, on va se rabattre sur du FS19. Mais bon, pour le coup, j'ai des bonnes idées qui me viennent là en même temps en jouant pour vous. Donc devant vous, là j'ai des bonnes idées qui me viennent. Et puis bah, je suis en train de me dire que ouais, ça peut être intéressant de ce que je pense, mais il faudrait que je trouve une map qui serait intéressante à jouer aussi. Et je suis en train de me dire qu'il ne faudrait pas que ça soit une map trop grande, il ne faut pas que ça soit une map avec trop de champs trop grands pour le coup, parce que si c'est des champs trop grands, je vais mettre des plombes à faire un champ, et bah du coup ça va être relou, parce que les épisodes vont durer 30 minutes maximum, 30 minutes. Donc du coup, si je mets trois épisodes dans le même champ, vous allez trouver ça lourdingue. Même avec des avances rapides, vous allez trouver ça lourdingue. Donc pour le coup voilà, je sais pas, il faut que je regarde. Donc peut-être pour cette semaine vous aurez la nouvelle série, peut-être la semaine prochaine, aussi bien vous l'aurez pas le jeudi mais le dimanche, ça reste à se décider encore. Pour l'instant j'y réfléchis, c'est en réflexion. Donc pourquoi je suis sûr que vous allez me mettre dans les commentaires, c'est quoi la nouvelle série, pourquoi tu dis pas, tout simplement parce que j'ai pas envie qu'on me pique l'idée, parce que voilà, je sais qu'il y a des youtubeurs qui aiment bien regarder les autres vidéos, enfin les vidéos des autres youtubeurs, pas pour leur forcément leur piquer l'idée, mais même s'il y en a quand même peut-être quelques-uns qui s'amuseraient à le faire, mais c'est surtout pour avoir l'idée en fait, et puis la tourner à leur sauce. Et du coup moi l'idée en fait, je crois que j'ai encore jamais vu ça sur FS19, donc pour le coup j'ai envie de garder l'exclu pour ma pomme, pour ma gueule. Donc du coup c'est pour ça que je vais essayer de gazer au max, hein, pour vous sortir cette série là le plus rapidement possible, enfin j'espère. Parce qu'être la main, c'est dans le caca. Voilà, voilà. Bon, sur ce, je relance l'avance rapide. Et puis, bah moi, je vous dis à dans à peu près 5 ou 10 minutes. Don't leave me now.
Tac. Bon, alors, en attendant, pendant l'accéléré, oui, j'ai pris un peu mes aises, voilà, je me suis mis en mode. Voilà. Donc du coup, on va finir ça. Bah, finalement, ça va faire 35 minutes. Donc, allez, on n'est pas une minute près, hein. Enfin, pour moi, ça fait 35 minutes. Pour vous, ça fera un peu moins. Ça fera 30 minutes, peut-être, maximum. Je vais m'arranger pour, en tout cas. Évidemment, sans couper. Au montage, je vais essayer. C'est pas gagné. Donc, voilà. Hop, tac, tac, et hop, hop. Donc du coup, ouais, j'ai essayé de faire ça. Donc bah du coup, si on a pu finir quand même le chant, GG à moi. Je m'attendais pas à finir le chant quand même pour cet épisode-ci. Bah il faut croire que si. Ah. C'est moi, il y a un bug de texture là. Ah non, c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, Simone. Pardon. Tac. Allez. Hop, bon bah pour le coup. Tac. Hop, hop, hop. Oh bazette. La fatigue commence à se faire sentir. Hop, bon, pour le coup, bon bah du coup, vu qu'on a fini le contrat, je vais pouvoir. On ira vendre la benne la prochaine fois. Stop Marcel, stop! Pip, 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 pardon. Hop, tac. Donc du coup, bon les amis, on va se laisser par là du coup. Bon bah moi je vais vous dire à très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à partager un maximum les amis pour nous faire monter aux 210 abonnés. C'est le nouvel objectif. Donc aux 210, vous avez un nouveau live abonné. Et pour ma part, bah moi je vais vous dire aimez, partager, commenter, vous abonner si cela n'est pas déjà fait sans oublier les petites cloches. Et puis bah moi je vous dis ciao!